Bonjour. Bonjour. Voici une nouvelle semaine qui a commencé et si vous ne faites pas attention, dimanche vous serez au même point. Dimanche vous serez avec la même somme d'argent, si ce n'est moins dans votre compte, dans la même maison, avec le même nombre de vues. En fait, si vous ne faites pas attention, parce que c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous êtes en statu quo. Et vous ne vous rendez même pas compte. Tu sais, c'est une chose de dire, je veux changer. Et c'en est une autre, de faire ce qui est nécessaire pour changer. Tu as un rêve depuis longtemps, tu veux faire ta marque de vêtements. Ça fait 8 ans que tu parles de ta marque de vêtements. On n'a jamais vu. Chaque fois que tu passes devant un restaurant ou une boulangerie, oh, un jour je vais ouvrir ma part. Tu as toujours une excuse après l'autre. Après l'autre. L'ennemi qui est dehors n'est pas aussi fort que l'ennemi qui est dedans. Vous vous donnez beaucoup d'excuses. Ouais, c'est le père de mes enfants. Il m'a enceinté, il est parti. Il m'a abandonné. C'est ma tante, c'est mon oncle. Avant, j'accusais mon ex-mari d'être la raison pour laquelle je n'avançais pas. Chaque fois que je faisais une vidéo, après ça, mon esprit me disait, mais pourquoi ce que tu dis aux gens, tu n'as pas encore commencé à faire? Je disais, mais non, c'est à cause de l'homme-ci. Non, c'est à cause de... Je sais, je n'ai pas encore les papiers. Le jour où il est parti, je suis restée comme ça. Le lendemain, je me réveille. Je m'y attends un peu. Je n'ai plus d'excuses. Je ne peux plus l'accuser. Je ne peux plus dire que je ne suis pas en train d'accomplir mes rêves. Je ne suis pas en train de bosser. Vous avez dormi, vous êtes réveillé à 7h, non? N'est-ce pas? À une époque, je travaillais de 4h30. Je faisais le cleaning. De 4h30 à 8h, on nettoyait. Je me suis rendu compte que quand je me réveillais à 4h, pour arriver au boulot à 4h30, j'accomplissais beaucoup. On finit le boulot à 8h, je sors de là. C'est comme si je viens de me réveiller en fait. Je dis, mais attends un peu, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. J'aurais pu rester dans le lit. Je dors. Mais parce que je voulais partir, que quelqu'un me paye 5 pounds de l'heure, j'ai pu me réveiller tôt. Après, on te disait, on te donnait peut-être
100 pounds la semaine, c'était presque rien. Bonjour la reine Wafo. Et après, quand je regardais, quand j'ai arrêté le boulot, j'ai commencé à dormir à nouveau. J'ai dit, mais sans peur. Quand je n'ai pas de boulot qui me fait me réveiller tôt, je donne pour excuse que voilà, tout le monde se remet à se réveiller à 6h, 6h30. Parfois, on se réveille même à la même heure que notre partenaire. Parce qu'en dormant, tu n'as pas d'objectif. Là, comme ça, quel est votre... Dis-moi, quel est votre objectif maintenant? Quel est votre rêve? Avoir une belle vie. Avoir une belle vie, c'est quoi? C'est quoi la belle vie pour toi? C'est quoi la belle vie pour toi? Si tu n'es pas spécifique sur ce que tu veux, premièrement, tu vas trop dormir. Deuxièmement, tu ne vas pas pousser loin. Hier, dans l'enseignement, pour ceux qui sont venus à Makepe, j'ai appuyé sur l'importance de quitter du salariat. Tu dois attendre un jour sur 30 pour recevoir l'argent. Et c'est le boulot-là qui dicte ta vie. Tu te lèves. Comme le boulot, c'est à 8h30. Ça devient ton objectif de vie. Travailler pour monsieur de Vanchot, travailler pour McDo, travailler pour Madame Koulibaly, Georgie, tu vois que tu n'as pas de... C'est réaliser quoi pour tes enfants? Réaliser quoi? C'est quoi? Quand tu vas te coucher, tu mets ton alarme. Je me réveille à 7h, j'arrive au boulot à 7h30. Ou bien j'arrive au boulot à 8h. C'est ce que tu fais maintenant dans le noir. Donc quand personne ne te voit, qui va t'amener le confort dans 10-15 ans? Il me reste 2 ans. J'ai commencé la fête, ça fait 8 ans et demi. Anne Tchatchou, quel projet? Écoutez, si je vous prends sur un atelier de planification maintenant là, vous allez voir que vous n'avez que dalle. Vous n'avez pas de plan. Vous n'avez pas de stratégie en place. Vous n'avez pas d'objectif. Vous ne savez pas quelle somme vous voulez vous faire cette semaine. Vous ne savez pas si vous obtenez l'argent, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vos objectifs sont fixés par la banque. Tu as pris le crédit bancaire de 200 000 euros. 200 000 euros que tu peux payer en 3 mois. On t'étend ça sur 20 ans. Tu es content. Tu es content. Ton objectif maintenant devient de payer 500 ou 600 euros chaque mois. Tu fais 500 euros en une demi-journée. Jojo Misso, dans quel sens? Ils vont partir dans quelle école? Leur pension sera combien? Vos enfants sont dans les écoles publiques là-bas, non? Qui parmi vous a sorti 10 000 euros pour payer l'école de son enfant? Écoutez, hein? Vous devez faire ce qu'on appelle reality check. Vous êtes dans le trou depuis longtemps. Vous allez mettre vos enfants dans le trou depuis longtemps. Leur avenir. L'école publique que l'État paie là. C'est ça que tu vas dire à venir.
ton enfant ne te donnera que ce que tu as mis dans lui. Si c'est l'État qui a mis quelque chose dans lui, c'est ça que tu vas avoir. Et tu vois derrière ta vie. Tu n'as aucun objectif. Tu n'es pas genre, ok, je dois payer l'immeuble de 500 000 euros si je dois le payer en un an. Voilà un objectif. Et si vous ne faites pas attention, vous allez, même quand souvent les gens viennent, ils font le lavage, ils disent, je vois leurs objectifs. Je dis, tu vises petit. Je veux avoir 500 000 francs CFA. Il dit, ma chérie, est-ce que tu écoutes mes enseignements? Est-ce que tu m'écoutes? Vous pensez que c'est un joli visage qui vient? Je l'écoutais. Hein? Je ne suis pas resté parce que je n'ai rien à faire. J'aurais pu être dans mon lit en train de dormir. Je suis choisi, je suis choisi. Oui. Paye le prix. Ton objectif, c'est de rembourser 600 euros ou 1000 euros le mois. C'est tout, hein. Alors que tu peux faire 1000 euros par jour, 30 000 euros par mois. Vous opérez à 0,01% de vos capacités. Et qui a fixé les barèmes? C'est l'État. La société. Ah, on m'a dit que si tu as ça là, ça veut dire que non, ça va, c'est tu as déjà beaucoup fait. Ne vous comparez pas à la moyenne des gens. Parce que vous n'êtes pas la moyenne des gens. Angélique t'a dit, il y a des gens que je ne réponds même pas. Mon message n'est pas pour tout le monde. Mon message, ce que j'ai dit, il n'y a que les choisis qui peuvent me comprendre. Avant, je voulais plaire à tout le monde, je m'en fous. Je sais que les personnes qui ont besoin de ce que je suis en train de dire, les personnes vont m'écouter, ne vont même pas commenter. Parce que dans notre monde, on ne pèse pas avec le physique. Il sait que vous allez venir voir. Oh, 15 000 vues. Waouh. Non. Je peux faire 50 vues. Je touche 45 personnes. Leur vie change pour toujours. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous n'aurez pas de patrimoine à passer à vos enfants. Je vous ai dit l'autre jour que l'esprit m'a demandé de vous dire que vos enfants seront des milliardaires. Pas en francs CFA, en euros. Allez voir les gens aux États-Unis. Beaucoup de Nigériens sont quittés de leur pays. Souffert, les Mexicains. Souffert, arriver, trouver leur place dans la société un peu. Toute la souffrance là, c'était la fondation pour leurs enfants. Aujourd'hui, tu vois les enfants qui sont des best-sellers. Tu vois un jeune Nigérian comme ça, 35 ans. Il est un millionnaire, toujours en train de monter. T'as vu qu'il est en train de partir pour avoir le milliard. Les Jeff Bezos comme ça, là, vous pensez que ce sont les Américains? En termes seulement le nom, Jeff Bezos. Tu penses que c'est Michael, je sais pas, non. Michael Smith, non.
Il y a un là que je suis aussi, il s'appelle Dan Pena. Il a peut-être même 70 ans aujourd'hui. Arnold Schwarzenegger. Nicole Scherzinger. Allez regarder les noms de tous ces gens-là. Même Rihanna, sa mère de Barbados. Quand tu regardes une course de relais, on prend le bâton. Le but, ce n'est pas de prendre le bâton et courir, genre, j'ai le bâton. Non. Le but, c'est de prendre et de passer le bâton. Et tu le passes de façon correcte. Si bien que l'autre prend, il continue seulement la course. Vous allez vous tourner encore. Et ça va se réveiller à suivre Will Smith. C'est vrai qu'on parle tellement de lui ces derniers temps. Mais moi, l'éthique de travail de l'homme, j'apprécie sa discipline, sa détermination. Quand il te parle de la formation militaire que son père lui donnait, tu comprends que le gars n'avait pas de choix que de réussir. Et votre problème, c'est vous aimez être confortable. Vous allez accuser tout le monde. Vous allez vous limiter à ce que les gens disent de vous. Et vous allez toujours avoir des excuses. Ouais, c'est parce que non, je vais. Pas du tout, je suis pas impressionné par les je vais. Montre-moi ce que tu es en train de faire. Ne montre pas ce que tu vas faire ou ce que tu as fait. Parce qu'il y a aussi les anciens succès. Tu rencontres un ancien succès comme ça. Certains d'entre vous, vous êtes tombés. On vous a dragué, vous êtes tombés à cause des anciens succès. Il te montre une voiture qu'il a gagnée depuis. Lui, je suis à Yaoundé demain. Je suis à Yaoundé demain. Sur rendez-vous, ne croyez pas que demain vous allez appeler comme ça là au hasard, vous allez venir. La personne vient et te raconte ce qu'il a fait. Oui, il y a 5 ans j'étais, il y a 10 ans j'étais, j'ai fait. Quand il te dit ça, il faut lui dire, tu sais, je vais et je suis en train de. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être trop ralenti. C'est pas possible. Jésus a dit que si ton œil te dérange, retire, tu jettes. Si c'est ton bras, coupe. Il y avait une raison. Parce que sur le chemin, les gens vont venir, vont faire comme s'ils sont avec toi. Je connais, j'ai la détermination comme toi. Tu vas dire, trouve-moi ici là à 5h30 demain, on va travailler. La personne va venir à 8h.
Tu sais, j'avais. Tu ne mets pas l'alarme. Tu te couches. Comment tu crois que tu vas te réveiller à 5 heures? Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas d'objectif. Mets l'alarme. Quand l'alarme sonne, lève-toi. Vous êtes trop confortable. Écoutez, c'est une chose que j'ai appréciée chez les blancs. C'est que quand tu es bon, le blanc lui-même reconnaît que tu es bon. Pas question de raciste, vos trucs là. Quand tu es bon, when you know your craft, le blanc lui-même dit que non. Développez vos dons, devenez indispensable, inévitable, incontournable. Ne laisse pas tomber maintenant. Reprends encore. Va encore, va encore là-bas. Va continuer à écrire le livre là. Reprends le coaching que tu avais laissé. Ne soyez pas confortable. Le confort, c'est votre premier ennemi. Quand j'atteins un objectif, quand les gens sont en train de célébrer autour de moi, je dis, je célèbre ça alors que les gens sont en train de célébrer 100 fois plus que moi. Je n'ai qu'à recommencer. Même si je suis à 100 fois plus que quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui a 100 fois plus que moi. Ça va mettre une énergie dans toi qui fera que les jalousies, les mauvaises paroles, les coups bas, parce que vous en avez vu de toutes les couleurs, tout ça n'aura pas d'impact sur vous. On te fait tomber comme ça, tu tombes, bam! Le lendemain matin, tu te lèves, tu es encore là. On dit, mais hier, quand on a comploté sur elle, on croyait qu'elle devait partir. Elle ne devait plus venir. Non, tu es là. Avec le sourire. Bonjour. Oui. Ah, d'accord, merci. Parce que vous êtes comme une pile. La pile s'alimente seule. Ça ne vient pas de l'extérieur. On ne branche pas la pile quelque part. La pile prend l'énergie dans elle. Ça donne dehors. Bonjour à tout le monde qui vient d'arriver. Bonjour le roi Wafou. La pile prend l'énergie à l'intérieur d'elle pour donner dehors. La pile ne dit pas que branchez-moi. C'est le téléphone qu'on branche. Vous êtes trop confortable. Quand vous venez faire le travail spirituel, vous attendez que ce soit moi qui fasse tout pour vous. Ouais. Vous-même, vous connaissez, non? Tu vas t'asseoir, tu vas écrire. Et quand il faut te déclarer, si tu parles, ta bouche glisse un peu, tu vas parler. Ne blague pas avec toi. Vous devez comprendre que c'est vous qui dominez. C'est vous qui avez le dessus. Bonjour, la reine Suzanne. C'est vous qui dominez. Même si tu es petit de corps, n'importe comment, courte comme ça là. Ton esprit n'est pas petit. Ton esprit couvre toute la terre. Ton esprit peut attirer n'importe quoi. Ton esprit peut te donner n'importe quoi. Ton esprit est infaillible. Intouchable. On m'a dit qu'on va me prendre dans la sorcellerie. Tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. You don't know yourself. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans des environnements qui affaiblissent votre esprit.
Vous êtes dans des relations qui affaiblissent votre esprit. Avec des gars qui affaiblissent vos esprits. Clémence et Yamo, c'est demain, c'est ce soir ou demain matin que je vais vous dire là où sera Yaoundé. Assurez-vous que votre consultation est payée. Et si vous venez pour le lavage, ce que je vous conseille même mieux. Préparez-vous. Venez avec une longue liste de choses que vous demandez. Oui, vous pouvez déjà payer le lavage du premier. Quand tu payes le lavage du premier, c'est le lavage pour l'ouverture des portes. Maintenant, le lavage des déblocages, ça, on fait ça toutes les semaines. Donc, le principe est le suivant. Tu envoies ta photo ou la photo de la personne. Je ne fais pas les choses genre, je vais envoûter mon ex, mon ex pour qu'il revienne. Allez, fais ça ailleurs. Ça, c'est les prières des faibles. Donc, tu envoies ta photo avec ton nom dessus et puis le numéro de téléphone et tu fais le paiement. Je reviens à ce que je disais. Vous devez connaître qui vous êtes. Je vous donne les outils. C'est ce qu'ils m'ont envoyé pour faire. Les armes. Je peux te donner l'arme. Si tu n'utilises pas l'arme, on va te tuer. Tu es dans le champ de bataille. Tu marches comme ça là. Hein? On dit dégaine, tu tires. Tu dis non, non. Ne t'inquiète pas. On va te toucher. Tu vas lire l'heure. Tu vas confirmer le code. Vous abandonnez trop vite. Trop vite. Tu as 45 ans. Tu ne veux pas mourir sans voir tes dons là-dehors. Tu as commencé, ça fait 2 mois, tu as laissé encore, non? Écoutez, hein, personne ne va venir vous retirer de votre merde. Pas votre mari, pas vos enfants, père. Sonne. Vous êtes paresseux. Vous attendez qu'on fasse tout pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a, vous achetez des produits. Même d'abord pour acheter le produit, il faut que tu me suives même 6 mois. Il y a des gens qui tombent sur mes vidéos, hein. En 7 jours, ils ont regardé même 70 vidéos. 10 vidéos par jour. Ils dorment, ils font tout avec mes vidéos. Et fait noir, ne viens pas te laver, tu vois comme peu. Ils font tout avec mes vidéos. Vous attendez qu'on fasse tout pour vous. On marche les enseignements, on dépose ton téléphone. Même regarder te dépasse. Tu regardes 5 minutes. Tu regardes mes enseignements 5 minutes. Moi, je passe 2 heures. J'enseigne. Tu n'as pas regardé. Après, tu viens, tu veux me parler. Dis-moi un peu. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Je dis, mais tu es fou. Tu es fou. Tu peux utiliser le don pendant les menstrues, oui. Vous ne vous connaissez pas. Quand vous rêvez, vous vous voyez en train de voler.
Vous rêvez, vous êtes en train de guérir les gens. Vous pensez que c'est fou. On ne peut pas vous toucher. Vous êtes intouchable. Il est Yemi. Fabiola Bami, ne te dérange pas, je vais te supprimer, je vais t'enlever sur ma page. Jésus disait, vous n'êtes pas de ce monde. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Comment ça se fait que tu t'es mélangé? Tu attends ton approbation des autres personnes. C'est quand on te dit que tu peux faire quelque chose, que tu dis, ah, je peux, hein. Alors que Dieu t'a mis ça à cœur depuis 2 ans. Il dit, présente-toi peut-être pour être député, peut-être. Ah, député, ah, moi. Non. Tu attends 5 ans plus tard, quand un homme va venir te dire. C'est là où tu dis, hey, mais c'est vrai. Vous comptez trop sur les gens. Demande s'il vous plaît déterminer 3 objectifs pour cette semaine. Objectif financier. Qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif financier? Si tu veux 10 millions cette semaine, écoutez, il n'y a que le montant. Vous posez les mauvaises questions à votre cerveau. Comment faire pour gagner 100 000 cette semaine? Il y en a parmi vous, vous êtes sur 100 000 le mois. Il y a des gens qui sont à 100 000 francs à l'heure. Chaque heure, 100 000 entrent dans leur compte. Donc, posez les bonnes questions à votre cerveau. Comment faire pour avoir... Et certains d'entre vous, vous êtes dans les business que vous devez arrêter. Au faux business que vous devez cotiser 20 euros, 20, 50 euros, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Te fatigue à la fin de la journée. Certains, vous devez redéfinir votre identité. Je vous ai dit que je cherche 10 personnes pour former pour le coaching. Pour que vous deveniez coach. Vous avez trop tourné. Et je l'ai déjà dit, si vous rentrez dans cette formation, 70% du travail, ce sera vous. Je viens seulement, je vous pointe la direction, vous partez faire. Vous n'avez pas besoin de plus d'énergie pour travailler. Vous avez besoin de stratégie, d'idées et de direction. C'est pour ça que malgré tous les talents que tu as, tu es toujours dans ton boulot de 2000 euros le mois. Quand tu pries pour tes enfants, tu dis, Seigneur, qu'il ait le boulot de 2000 euros le mois. What? Seigneur, que mon enfant soit millionnaire à 19 ans. Millionnaire en euros. Parce que ce que tu vois pour ton enfant, c'est ce que tu vas lui dire. C'est ce que tu vas planter dans sa tête. Et c'est ce qu'il va croire de lui. Parce que vous êtes, je me casse chaque jour ici là parce qu'il faut que je casse. Je dois briser ce qu'on a mis dans votre tête.
les fausses croyances de vos ex-maris, de vos tanticons là. Ah, qu'est-ce que je peux? Qui suis-je même? Ah. On te dit, tu peux être coach, tu peux être coach. Tu dis, ah, yeah, est-ce que les gens vont me... Qu'est-ce? Ouais. Crois même, non. Ouais. Et que ce que tu crois, c'est pour toi. L'argent est simple. Hein. Je veux plus d'argent. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça? Bon. Je peux... Si je gagne... Si je veux 10 millions ce mois. Donc disons 30 millions, c'est mieux. 30 millions. Qu'est-ce que je peux faire chaque jour qui va me rapporter 1 million? Et vous devez toujours multiplier vos objectifs par 5. Si je vise 30 millions, il faut que je mette 150 millions. Parce que ce qui va me produire 30 millions net, ce sera les efforts de 150 millions. Si tu vises 30 millions, il est probable que tu te retrouves avec 5 millions. 5 à 10 millions. Vous visez petit. Ton objectif, c'est d'avoir 1000 euros. Ouais, qu'est-ce, Seigneur. C'est pour ça que ton cerveau ne te donne que 500 euros la semaine. Parce que tu veux 1000 euros la semaine. Donc j'ai dit, déterminez l'objectif financier que vous voulez. Vous voulez combien? Il nous reste approximativement 13 jours. Approximativement 13 jours. Il te faut combien d'argent? 12 jours même. Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Parce que quand tu vas mettre la somme, ton cerveau va commencer à réfléchir. Ton cerveau va commencer à réfléchir. Zongang, c'est quand même surprenant que tu m'écoutes depuis au moins 15 ou 20 minutes. C'est bête quand même. C'est quand même bête. Vous devez savoir... Non, non, James, ça, c'est pas les bonnes prières. Tu veux recevoir un don de moi, comment? Aura, votre problème quand vous investissez, hein? Si tu as pris 100 000 euros, tu as mis dans quelque chose. Ça doit te produire au moins 20 000 euros le mois. Si ça ne produit pas, tu gères mal. Tu vas encore porter peut-être 20 000 pour te mettre dedans. 10 000, mettre dedans. Dirige mieux ton énergie. Et quand c'est comme ça, on va te dire que paye 1 000 euros, paye 2 000 euros pour être coaché. Tu vas trouver que c'est beaucoup. Tu vas aller perdre l'argent chaque jour. Votre problème, c'est que vous ne savez pas payer le prix pour avoir ce dont vous avez besoin. C'est ça le problème du noir. Tu veux wishful thinking. I wish I had this. I wish. Apprenez à être carré. Je veux ça, je paye pour ma chose. J'ai des coachings que je fais. On me paye 700 euros de l'heure. Je passe une heure avec toi, tu me donnes 700 euros. Mais dans l'heure là, je te garantis que l'argent que tu m'as donné, tu vas te faire au moins ce 8000 euros avec ce que je te donne, comité. Et je vous ai tout dit que quand vous voulez investir votre argent, voyez toujours la valeur. Votre problème, c'est que vous ne voyez... Ah non, 700 euros, c'est beaucoup, hein. Et, oh. C'est pour ça que tu vas rester, tu vas tout tourner dans tes 2000 euros chaque mois. Parce que tu ne peux pas aller payer 1000 euros pour qu'on te montre comment quitter de 2000 euros à 3500 euros. Chaque chose a un prix. Retenez ça pour de bon. Donc, si vous avez regardé ma vidéo pendant une heure de temps, s'il y a une chose que vous pouvez avoir, payez le prix. Tu ouvres un restaurant,
aménage bien. Fais c'est beau. Écoutez, question business. Moi, c'est là. Hey! Je te fais 1 million à partir de rien. Je laisse mon sens seulement avec les idées. Quand je prends alors l'argent, je prête très difficilement mon argent aux gens. Très. Ouais, j'ai besoin de 2 millions, je te donne 3 millions dans 2 semaines. Gars. Les 2 millions qu'elle prend pour te donner là. En 2 jours, je multiplie ça. Donc, les 2 semaines que tu me demandes là, c'est beaucoup. Vous devez penser rapide. Think fast. Tu as l'argent dans ton compte, l'argent te regarde depuis 3 mois. 5 000 euros. John Kedja. John, je ne suis pas vos gens, vos zinzins là que vous avez les Koulibaly. Quand vous dites que le marabout Koulibaly. Ceux qui sont venus chez moi, vous savez que je ne souffre pas. Même pas. Je vis ce que j'enseigne. Tout ce que vous dites ici, ceux qui m'ont côtoyé 1 jour, 2 jours, 10 jours, je vis par ce que je dis. Et c'est ça qui fait ma puissance. Parce que vous allez venir écouter, vous allez partir dire aux gens, oh oui, oui, oh, oh. Vous encore dans le même pétrin. Dans la même boisson. Tu n'as pas besoin de papier pour être riche. Tu n'as pas besoin de mari pour être riche. Tu n'as besoin de rien pour être riche. Parce qu'il y a déjà des dons en toi. Réveille-toi seulement. Tu vas payer le prix en temps, en énergie, en discipline, en vision. Ne vous inquiétez pas. Même mes clients changent avec le temps. Il y en a parmi vous, vous étiez mes clients avant, non? Vous faisiez des... Je dois tout courir derrière vous tous les jours. Même mes clients là, pour m'avoir même là, c'est difficile. C'est difficile. On te donne tous les outils. Que réussis. Tu es sûr? Tu veux qu'on soit au téléphone chaque jour pour te consoler. Get a grip. Get a grip. Les clients qui paient le mieux hein, sont ceux qui font le plus de travail. Donc, quand le client vient vers toi, tu dépenses 10% d'énergie. Il te paye 80% de ton argent. Tu vas voir notre client, va, oh non, aide-moi. Il t'écrit à 1 heure. J'ai traversé beaucoup d'étapes avec vous. Hein. Beaucoup. Quand je me rends dans un pays pour faire le coaching de quelqu'un, jusqu'à disparaître 2 jours comme ça, 5 étoiles, quand on se met comme ça, qu'on travaille 1 heure par jour, spécifique, spécifique. Ne me dis pas que tu veux me voir pour investir. Tu as compris? L'argent ne m'impressionne pas. Parce que l'argent, j'en ai. Et j'en aurai encore plus. Maintenant, je travaille avec les gens de principe. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai commencé à bosser. Avec de l'argent. Mais voulant te ralentir. Je veux faire ça. Tu conseilles, ne fais pas. Parce qu'il y a des réalités au Cameroun. Et parfois, vous, de Mbengla, vous faites comme si vous, il y a le trou dans votre tête. Ne pas par là-bas construire. Paye plutôt le terrain ici. Fais comme ça. Tu dis que non, je maîtrise.
Le Cameroun a ses règles. Celui qui comprend ça. Au Cameroun, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent en une fois. Hein. C'est celui qui peut te produire de l'argent constamment, tous les jours. Règle numéro 1 au Cameroun. Il faut avoir des sources de revenus. Parce que le Cameroun, ça va vite. Tu peux dépenser en une semaine, tu peux dépenser 600 000 chaque jour au Cameroun. 600 000, c'est 1000 euros. Hein. 1000 euros chaque jour. Ceux qui vivent avec moi. Écoutez. Ceux qui me côtoient connaissent de quoi je parle. Ça va vite. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Quand j'ai compris ça, ma vie a changé. Je dis que hein, je garde ma voiture, tu gardes ta part. Ta part est devant ma part. Je te regarde, je ris. Je dis seulement question de temps. Just give me some fuel. Just donne-moi seulement le temps. Et si tu ne fais pas attention, j'achète ta part, après j'achète ce qui est au-dessus de ta part. Parce que j'avance toujours. Keep moving, keep moving. Tu refais les stratégies. J'ai fait une vidéo hier. Allez regarder cette vidéo. Je vous donne les règles de succès. Francis, si tu es embrouillé, c'est que je ne suis pas la bonne personne que tu dois voir. Arrange tes idées avant de venir me voir. Tu dois savoir ce que tu veux. Parce que généralement, quand vous entrez dans ma salle de consultation, vous ne faites pas plus de 10 minutes là-dedans. Tu dois venir avec, tu dois savoir ce que tu veux. Les petites sommes. Quand tu as 2000 euros, tu dis, hey, Seigneur, merci. Ouais. Ouais. Je vous ai dit que vous allez payer vos crédits de 500 000 euros à la banque en un an et demi. J'attends les témoignages. Donc, quand ça va venir, il va vous dire que voilà. Il y a une là où c'est la chinoise du Canada. Elle dit, depuis que je te suis, mon mari et moi, on a acheté la maison, on a fait ceci, on a fait cela. Elle dit que c'est rien que le début. En 3 mois, vous allez acheter, 3 mois, vous allez rembourser le crédit là. Maximum mars de l'année prochaine, vous allez rembourser. Dès qu'une idée entre dans ton esprit, ça s'assoit. Tu as la puissance d'accomplir cette idée. Votre problème, c'est de laisser que ça s'asseye alors. J'ai une dame qui m'a appelé hier pour faire son témoignage. Elle me dit, je suis allée à Yaoundé, ça fait peut-être 6 ou 7 semaines. Elle est venue, je l'ai lavée. Quand la femme-là a lu ce qu'il y avait sur son papier comme intention, je lui ai dit que tu sais quoi, filme les intentions là, tu m'envoies. Je dois lire ça pour que les gens de Facebook entendent. Elle n'a malheureusement pas filmé pour m'envoyer. Elle m'appelle hier, elle me dit, je ne sais pas ce que je peux te donner. Que ma vie est transformée. Première chose, j'ai d'abord arrêté de déclarer que oh, j'enlève le masque de ceci sur mon visage. J'enlève ceci sur mon visage. J'ai commencé à déclarer que je suis. Deuxième chose, j'avais le numéro de quelqu'un dans mon téléphone qu'on m'a donné depuis. Je ne l'ai jamais appelé. Me lève un matin, une idée. La richesse, c'est l'idée. Hein. Contacte-le. Je ne veux pas le voir. Et que comme je te parle là, en 6 semaines, j'ai déménagé. Il a meublé ma maison, 4 millions. Fini de payer mon école. M'a envoyé à l'hôpital pour faire mes examens, que j'ai eu mal au pied un jour, là, quoi, là-haut. Payer 30 séances chez le kinésithérapeute. Je marche avec le garde du coca et pas... Hop, vous dites quoi? Je voulais mes marchés. Elle dit qu'elle faisait les marchés publics. Je ne savais même pas ce que c'était les marchés publics. Jusqu'à ce qu'elle me dise ça dans ses déclarations. Après, je me demande, marché public, c'est quoi? Elle me sort alors tout un... Que dans ma liste, j'avais demandé à avoir 2 marchés. Je les ai eu dans les dates que j'ai demandé. Vous ne savez pas encore ce que vous voulez bien même. C'est pour ça que vous n'avez rien.
Comme tu sors l'argent pour rembourser quelqu'un, tu sors l'argent pour investir, pour acheter un programme, tu sors l'argent pour payer ceci. Aussitôt que c'est sorti, ça revient. Voilà la puissance des choisis. Bon, j'ai terminé avec vous. Je vous ai donné assez d'adrénaline pour la journée. Maintenant, je vous ai demandé de fixer un objectif précis. Vous avez besoin de combien cette semaine? Deuxième, chaque matin quand vous allez vous réveiller, asseyez-vous. Essayez de donner, laissez à votre cerveau le temps de vous dire, oh, attends, bon, comment est-ce que je peux faire pour avoir 1500 euros la journée? Au lieu d'avoir 15 clients qui vont te donner 150, 150, 150, 150, tu peux avoir un client. Maintenant, ton objectif. Quel est le genre de service que je peux avoir ou offrir? C'est comme ça que tu changes. Ça veut dire que le service que je donnais ici, si on me donnait 50 euros là, je dois arrêter ça. Ce n'est pas en cotisant les 50 euros que je peux avoir 1500 euros la journée. Écoutez, même dans le rêve, tu vas avoir une idée dans le rêve. J'ai atteint une dimension où, ouais, dans le rêve, j'ai des stratégies de business dans le rêve. Parfois, je suis sur ça à 4h30, bam! J'entends seulement ça, c'est comme ça, la récitation. Que voilà, ta, fais comme ça, voilà, fais ça. J'écris rapidement, rapidement. Et c'est que si j'applique ça dans deux jours, j'ai l'argent qu'il me fallait peut-être pour aller acheter un terrain ou bien investir quelque part. Vous ne connaissez pas comment utiliser votre pouvoir. Vous partez utiliser ça pour boire la bière. Bon, même si j'ai parlé comme ça pour trois personnes, je sais que mes trois personnes ont compris ce que j'avais à dire. Parce que mon message n'est pas pour tout le monde. Heureusement pour moi. Ok? Vous passez une superbe journée. Bon, les kits sont toujours disponibles. On a le kit commerce, celui qui a le plus de succès. Kit commerce. Kit fondation. Kit déblocage plus plus. Sel arc-en-ciel. Commencez toujours par le kit fondation parce que vous devez refaire votre fondation. Donc, chaque mois, pendant 7 jours, vous faites 7 jours de jeûne, 3 à 7 jours. Et si vous ne pouvez pas jeûner pas pour des raisons de santé, faites le travail, mais ne vous lavez-vous, parlez, faites tout avec la cendre, tout ça là, mais ne mangez pas, mangez. Vous faites ça pendant 7 jours ou 3 jours, selon la direction de l'esprit. Le kit attraction, je l'ai conçu pour les femmes qui ont beaucoup de rejet, l'esprit de rejet sur vous. Donc ce kit, vous devez d'abord prendre le kit fondation. Parce que le kit fondation, c'est un peu comme si tu veux faire la teinture sur tes cheveux. Tes cheveux sont noirs, tes cheveux sont bleus, jaunes. Tu remets d'abord ça à blanc. Après, maintenant, tu viens déposer la couleur que tu veux. Donc le kit déblocage, simple, c'est 25 000. Le kit déblocage plus plus qui contient il y a un produit pour le désenvoûtement. Vous avez les serpents dans vos ventres là. Voilà. Ça c'est 55 000. Le kit fondation qui vous remet, qui enlève. Il y en a parmi vous, vous avez les esprits générationnels que votre grand-père vous a passé. C'est ça qui te bloque. Tu dors, tu vois ton grand-père vient toujours. Tu vois, après, il y a un truc derrière lui qui te, je sais pas, qui te poursuit, je sais pas trop quoi. Parce qu'il y avait des choses qu'ils n'ont pas fait. Et quand vous nettoyez votre fondation, vous faites ça pour vos enfants. Regardez souvent, le père fumait. Ou le grand-père fumait. Le père surtout en train de fumer. L'enfant fume maintenant. Parce que le père ne s'est pas rendu compte qu'il y a un vice en moi que je dois enlever. Et tu as passé ça à ton enfant. C'est ton esprit de pauvreté chronique. Ton enfant va au lycée. Ils ont grévé depuis là. L'enfant n'est pas parti à l'école. Pourquoi ton enfant n'est pas à l'école privée?
kit fondation. Vous n'avez pas besoin de me consulter pour les kits. Prenez le kit, faites votre travail spirituel. Il y a aussi les lavages. On en fera aujourd'hui et jeudi. Il y a le lavage de déblocage. Si tu as une situation que tu veux débloquer. Il y a le lavage de fondation. Là, c'est pour nettoyer ta fondation. Les malédictions générationnelles. Il y a aussi le lavage du premier. N'oubliez pas tout ça. Il y a des gens qui se lavent même. En un mois, ils se lavent même deux fois. C'est toi qui connais le degré de tes problèmes. Ce n'est pas moi, c'est toi qui connais. Il y a une dame qui a payé le lavage de son frère hier. Maman, quand elle m'a envoyé la photo de l'homme là. Hey! Jesus Christ. Le nombre de démons que le gars a sur son visage. Il dit que maman, il y a trop de travail sur ton frère, c'est là, pardon. Il dit que je sais. Il fume le chanvre. Il n'a plus les papiers. Oh, il a vu ceci. Il dit que oui, je vois. Donc, quand on le regarde, on voit, c'était là, celui plein. Et beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que vous devez payer pour votre travail spirituel. Vous ne savez pas. Il y a même ces esprits-là qui bloquent votre argent. Tu peux me dire le nombre de personnes qui essaient de faire, tu essaies de faire le transfert. L'argent cale en l'air, ça cale en suspens. C'est quand tu fermes l'intermédiaire, il prend l'argent, il part avec. Comprenez que plus grande ta mission est, plus tu auras des adversaires. Tu sais pas de quel côté ça sort. C'est toi qu'on guette. Soyez intelligent. Mettez toutes les armes de votre côté. Mon mental est fort. Je prends maintenant mon kit, je travaille dessus. Je sors maintenant, je pars, je planifie ce que j'ai à faire. J'ouvre mon business. C'était parmi vous, vous avez fermé votre magasin, non? La nuit, quelqu'un est venu verser les choses devant ton magasin. Tu viens, tu ouvres, tu dis que mais tout est beau. Je ne comprends pas. Il y a une femme qui m'a envoyé pour bénir son magasin ici, là, à Benoît, pour l'autre jour. Le matin, là, d'abord, hein, maman, la pluie. Je dis que ma chérie, j'ai même encore vu le genre de pluie ici. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala. Le force, j'arrive devant le magasin. J'attends. Son frère qui devait venir ouvrir, lui-même, il est bloqué quelque part. Le bailleur voulait que c'est sa tête. Tout. On arrive, on fait le travail. Quelque temps après, elle me revient et me dit que, maman, le bailleur qui me voulait me sortir de la maison là depuis. Lui-même est encore revenu seulement s'excuser que bon, voilà, c'est bon. Vous ne savez pas qui pratique sur vous. Maintenant, ils vous disent, vous êtes intouchables, vous là. Vous êtes intouchables. Vous devez, donc, ça doit rentrer dans vous. Maintenant, il y a les outils physiques que vous devez utiliser. Les bracelets, c'est dont je vous parle tous les jours. Les bracelets, colliers. Une dame d'essai me dit que elle avait acheté sa part en 2018. Hein. Sa cousine est partie chez le marabout. Seulement pour la checker, non, genre, je vais te protéger. Le marabout dit qu'il ne la voit pas. Que celle que tu demandes, je ne la vois pas, moi. Je ne la trouve pas. J'ai encore une autre cliente qui est venue ici. Elle passe la nuit. Elle fait son travail du premier jour. Elle était venue de France. Dans la nuit du deuxième jour au troisième jour, son père vient dans le rêve et il lui dit que prends le kit fondation pour tes frères. Que tes frères sont bloqués. Prends le kit. C'est le mot qui vient dans le rêve lui dire hein, que prends le kit fondation pour tes frères. Prends pour tes deux frères là. Prends. Elle se lève le matin. Elle avait à dépenser même comme 600 000. Elle dit que tu sais quoi, je vais ajouter le kit fondation pour mes frères. Que mon père vient mettre dans le rêve de prendre le kit fondation pour mes frères. Je sais ce que je suis venu faire dans votre vie. Je suis venu vous libérer. C'était la semaine passée, non? Quand j'ai fini le lavage, une femme, il y avait un serpent dans le ventre de la femme. Elle a suivi le lavage à distance. Elle prend le téléphone.
Elle me fait d'abord le premier fois. Elle dit, hey, vraiment, merci. Ton lavage là m'a touché. J'ai senti comme une vibration. Deuxième message. J'entends seulement un esprit qui parle. Que pourquoi tu veux la délivrer? Pourquoi tu veux la délivrer? C'est moi qui la bloque. Je suis le serpent qui est dans son ventre. Je vous ai fait écouter l'audio de ça l'autre jour, non? Que c'est moi qui empêche qu'elle soit riche. J'ai bloqué sa richesse. Que arrête de prier pour elle. De temps en temps, les ancêtres vont permettre, le Seigneur va permettre que, que ces petites choses, qu'on me dise. Mais moi-même déjà, je sais le travail que celui fait dans votre vie. Je connais. Je suis venu vous délivrer de tout ce que Satan a mis dans votre vie. Et vous allez être délivré. Vous allez devenir riche. Même le démon dit que pourquoi moi je veux que vous soyez riche. Même Satan lui-même connaît que je veux que vous soyez riche. Et ne vous en faites pas, vous allez devenir riche. Vous allez. Donc, tu vas rester au sein dans 6 mois, tu vas regarder, tu vas dire que, hé, hey, maman, donc c'était possible. Mais. Voilà mon parking, 4 voitures. Voilà la maison. Je n'ai même pas construit, ça m'a acheté une fois. Vous n'avez pas encore commencé. You're just starting. Même le démon connaît. Et ne vous en faites pas. Maman. Bon, partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Et puis, vous passez une superbe journée. Les kits, on les livre. Ils sont disponibles à Paris, Washington. On poste partout, en fait. Partout dans le monde. Donc, passez une très belle journée. Revenez avec vos témoignages.